L'inspecteur technique du ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l'enfant, Sissoko Aliat, a procédé récemment à l'installation d'une cellule Jean au sein de l'université Nangui-Abrogwa. C'était lors d'un atelier de formation sur le concept Jean qui avait pour thème « Amélioration des conditions de vie des acteurs de la communauté universitaire ». Le reportage est signé Eunice Bogou et Kra Augustin. L'université Nangui-Abrogwa d'Abidjan a désormais une cellule genre. L'installation a été faite à l'hôtel Palm Club par le président de l'université et de plusieurs acteurs de l'enseignement supérieur. Comme il est de coutume, cette installation a été faite par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers sa direction genre. Le but est d'amener les responsables et enseignants à prendre en compte l'approche genre et le développement au sein de l'établissement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, conscient du rôle des hommes et des femmes dans le développement économique, politique, social et culturel de notre pays, en vue d'une prise en compte holistique, c'est-à-dire à la fois systémique et systématique, encourage l'installation de cellules sectorielles genre dans toutes les institutions de l'État afin de rendre effective l'intégration et l'approche genre et développement dans les politiques. Les bénéficiaires épousent déjà l'idée de promouvoir le concept genre qui vise à réduire les inégalités économiques, politiques et culturelles entre hommes et femmes et à contribuer à l'égalité des chances. Comme vous le savez, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a pour mission de faire la promotion du genre en Côte d'Ivoire, dans toutes les structures de l'État de Côte d'Ivoire, dans les ONG, dans le secteur privé. Et donc, dans cette promotion-là, nous sommes venus à l'Université Nangui-Abrogwa, où les dirigeants, le président et son personnel, les professeurs, ont sollicité le ministère de la Femme, notamment la direction genre et équité, pour l'installation de leurs cellules au regard de nos missions. Et nous avons un atelier qui est prévu que nous voulons faire avec eux pour justement approfondir les questions de genre par rapport à ceux qui ne pourraient pas être au fait de ces questions-là. On marquait cette cérémonie d'installation de la cellule genre de l'Université Nangui-Abrogwa. Le lancement du concours du meilleur agent en charge du genre et la remise d'un guide et des attestations aux membres de la cellule.